Salut tout le monde, bienvenue à cette simulation de la quatrième ronde du repêchage de la LNH de 2020. Donc c'est le moment de passer en revue tous les espoirs qui ont été repêchés dans cette ronde-là. Si vous n'avez pas vu les trois premières rondes, eh bien il y a une bannière là, qui va apparaître dans quelques instants en haut à droite. Donc juste à cliquer dessus et vous allez avoir accès là, aux trois premières rondes. Pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo-là et qui n'ont pas vu les rondes précédentes et qui se demandent un peu c'est quoi cet exercice-là, eh bien, c'est pas compliqué. Là, j'ai simulé plus d'une vingtaine de saisons avec Franchise Hockey Manager 7 afin de voir comment les espoirs qui ont été repêchés en 2020 se sont débrouillés. Est-ce qu'ils ont réussi à faire la LNH? Est-ce qu'ils ont remporté des honneurs individuels, des trophées collectifs et tout ça? Donc, c'est pas mal ça qu'on va regarder avec les espoirs là, du repêchage de 2020. Et là, comme j'ai mentionné en intro, on est rendu en quatrième ronde. Donc, on est rendu pas mal au milieu du repêchage. Ça se peut qu'il y ait de plus en plus de joueurs, là, que ce soit des, je dirais pas des flops, parce que rendu là, c'est pas des, les attentes sont pas très élevées, mais que ce soit là, des choix où les équipes n'ont pas vu juste. Et je ne vais pas vous spoiler rien, mais il y a quand même quelques choix là, qui sont très bien, mais je vous dirais que de plus en plus, là, c'est assez fréquent, là, les joueurs là, qui n'ont tout simplement pas goûté à la LNH. Donc, sans plus tarder, eh bien, nous allons y aller là, avec les choix 94 jusqu'à 124. Au 94e rang, les Flyers de Philadelphie ont choisi l'attaquant Zade Wisdom, produit de la OHL. De son côté, Wisdom a joué quelques matchs dans la ECHL avant de jouer dans une saison complète dans la AHL. Il a ensuite joué dans la LNH avec les Flyers. Il a porté également les couleurs des Red Wings de Détroit et des Blues de Saint-Louis, et par la suite, il a terminé sa carrière là, au niveau senior. Donc, au total, il aura disputé 365 matchs dans la LNH. Il a marqué 42 buts, en plus de récolter 76 mentions d'aide pour un total de 118 points. Sinon, il a remporté un championnat, et c'est avec les Flyers de Philadelphie. Donc, il a réussi à remporter la Coupe Stanley dans la LNH. Donc, pas une grosse carrière là, au niveau du circuit Batman, mais il aura été là assez longtemps là, pour remporter une Coupe Stanley. Au 95e rang, les Panthers de la Floride ont repêché le défenseur Michael Benning. De son côté, Benning a joué dans la AHL, a joué aussi dans la East Coast un peu. Avant de se joindre aux Panthers de la Floride, il a également porté les couleurs des Oilers d'Edmonton, des Predators de Nashville, des Hurricanes de la Caroline, des Bruins de Boston et des Sharks de San Jose avant de terminer sa carrière au niveau senior. Il a joué un total de 757 matchs dans la LNH. C'est excellent pour un choix de 4e ronde. Il a marqué 116 buts, 282 passes pour un total de 398 points. Donc, excellente carrière, encore une fois, là, pour un choix de 4e ronde. Les Panthers semblent avoir trouvé le joyau dans cette ronde-là. En 3e ronde, c'était les Ducks d'Anaheim avec Ian Moore. Mais là, Benning là, va sûrement se retrouver parmi les meilleurs défenseurs offensifs aussi de la QV de 2020. Donc, très belle prise là, pour les Panthers. Malheureusement, pour Benning, il n'a pas remporté d'honneur individuel ou collectif. Mais il a quand même eu une belle carrière là, dans la LNH. Au 96e rang, les Flames de Calgary ont repêché le gardien russe Daniil Chechelev. De son côté, le gardien russe là, qui a joué dans la KHL, il a joué un petit peu dans la LNH aussi avec les Flames de Calgary. Et ensuite, il est retourné dans la KHL pour revenir avec les Flames par la suite. Donc, il a fait la navette un peu là, entre Calgary et la KHL. Il a joué aussi dans la VHL pour terminer sa carrière. Donc, au total, il aura disputé 105 matchs dans la LNH. Il a remporté 51 victoires, a subi 36 défaites et 10 autres en bris d'égalité. Il a signé 5 jeux blancs dans sa carrière dans la LNH. Il a maintenu une moyenne de 2,81 ainsi qu'un pourcentage d'efficacité de 915. Il a remporté un championnat et c'est avec le Dynamo de Moscou dans la KHL en 2023-2024. Donc, Chechelev a goûté à la LNH, mais il n'a pas disputé tant de matchs que ça dans le circuit Batman. Donc, on ne peut pas dire que c'est un choix excellent des Flames, mais au moins, il a quand même là, rendu des services là, à l'organisation de l'Alberta. Au 97e rang, les Red Wings de Détroit ont repêché l'attaquant américain Sam Steinge. De son côté, Steinge a joué avec les Badgers de Wisconsin dans l'NCAA, a joué ensuite semi-pro. Et bon, c'est ça, c'est pas mal aligné là, vers le semi-professionnel. Là. Il n'a pas vraiment joué de match là, dans la AHL ou même la ECHL. Donc, ça a été un choix là, raté là, du côté des Red Wings. Il a remporté deux championnats cependant, mais... Ah non, il a joué dans la ECHL. T'as pas, j'ai manqué un petit bout. C'était en 2025-2026. Attends un petit peu. Il a joué dans la ECHL en 2025-2026. Mais moi, ici, j'ai dans le semi-pro.
Donc, quelque chose que j'ai manqué, mais bref, il aurait remporté un championnat. Il s'est peut-être joint juste à eux en série, par contre, je vais aller voir ça. Ah, c'est ça, c'est juste. En fait, il a joué un match en série dans la ECHL. Il a joué un match aussi dans la Ligue américaine en série. Mais sinon, là, c'est. Tu sais, il a remporté un championnat dans la ECHL, mais c'est vite dit, là. Sinon, il a remporté également un championnat dans la SPHL avec les Ice Bears de Knoxville. Mais sinon, là, si on regarde au niveau de la LNH, ça a été raté complètement là, pour Sam Steinge. Au 98e rang, les Sharks de San Jose ont repêché l'attaquant Brandon Coe, produit de la OHL. De son côté, Coe a joué surtout là, dans la AHL, joué un peu dans la ECHL, ensuite il a joué dans le Senior et dans la SPHL. Donc, un choix raté là, du côté des Sharks de San Jose. Aucun honneur individuel ou collectif pour Coe. Donc, bref, un choix là, qui ne passera pas à l'histoire pour San Jose. Au 99e rang, les Devils du New Jersey ont repêché l'attaquant tchèque Jaromír Pytlík, lui qui a joué avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans la OHL. Mais sinon, après ça, il s'est joint dans la ECHL, il a joué dans la AHL aussi. Il a fait pas mal la navette là, entre la AHL et la ECHL. Il est ensuite retourné en Europe là, à partir de ses 27 ans. Il n'est jamais revenu là, en Amérique du Nord par la suite. Donc, les Devils là, qui n'ont pas vu juste avec Pytlík. Sinon, de son côté, Pytlík a remporté deux honneurs collectifs. Il a remporté la Coupe Memorial avec Sault-Sainte-Marie dans la OHL. Et la même année, ils avaient remporté également le championnat dans la OHL. Mais sinon, là, une fois que sa carrière junior a été terminée, pas grand-chose de la signaler du côté de Pytlík. Au 100e rang, les Oilers d'Edmonton ont repêché l'attaquant Carter Savoie, qui est le frère de Mathieu Savoie, qui lui va être repêché en 2022 et devrait être repêché assez haut aussi. Sinon, de son côté, le frère de Mathieu Savoie, eh bien, il s'est joint au Condor de Bakersfield dans la AHL. Il a joué ensuite des matchs avec les Oilers d'Edmonton. Il a porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh également. Et sinon, il a joué à Laval aussi. Après ça, il est retourné à Pittsburgh pour 4 matchs. Et ensuite, il a terminé sa carrière au niveau senior. Donc, au total, il aura disputé 497 matchs dans la LNH, 109 buts, 175 passes pour un total de 284 points. Ce qui n'est pas si mauvais que ça, quand même. Encore une fois, il faut garder dans l'optique qu'on est en 4e ronde. Donc, un joueur qui joue pratiquement presque 500 matchs là, dans le circuit Batman, c'est quand même très bon. Sinon, si on regarde. Le seul championnat qu'il a remporté, c'est en 2022-2023 dans la ECHL. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à signaler du côté de Carter Savoie, sauf le fait évidemment qu'il a disputé près de 500 matchs dans le circuit Batman. Rang numéro 101, les Prédateurs de Nashville ont repêché le défenseur suédois Adam Willsby. De son côté, Willsby a joué dans la SAHL. Il a ensuite traversé en Amérique du Nord pour jouer dans la Ligue américaine. Il a joué quelques matchs aussi avec les Prédateurs de Nashville. Il est ensuite retourné dans la AHL et la ECHL. Il est revenu un petit peu plus tard avec les Preds et par la suite, il est retourné en Europe. Donc, pas une longue carrière dans la LNH comme pour Willsby. Il a disputé seulement 29 matchs dans le circuit Batman. 4 buts, 4 passes, 8 points. Donc, ça ne sera pas dans les records là, de la LNH pour la carrière de Willsby. Mais il a remporté un honneur collectif et c'est avec la formation de Örebro. Au niveau de la deuxième élite, deuxième ligue suédoise après la SCHL, c'est le Hockey Allsvenskan. Bref, c'est dans cette ligue-là qu'il a remporté son championnat. Mais sinon, au niveau de l'Amérique du Nord, c'est très tranquille là, pour Willsby. Au 102e rang, le Canadien de Montréal il a repêché le joueur de centre Jack Smith. De son côté, Smith a joué avec le Rocket de Laval et ensuite, là, il a pris la route là, des circuits inférieurs, là, la ECHL, la Ligue semi-professionnelle. Il est retourné dans la AHL par la suite, mais au total, là, c'est un gros zéro match dans la LNH pour Jack Smith. Il a remporté deux championnats et les deux, c'est dans la AHL. Le premier, c'est avec les Devils. Non, le premier, c'est plutôt avec les Griffins de Grand Rapids, avec le club école des Red Wings. Ensuite, c'est avec le club école des Devils. Avec les Devils de Binghamton. Ça, c'était en 2035-2036. Donc, deux championnats au niveau de la AHL, mais aucun match plutôt dans la LNH. Donc, le CH là, qui n'a pas vu juste avec Jack Smith. Au 103e rang, les Rangers de New York ont repêché le gardien de but Dylan Garand. De son côté, Garand là, a joué dans la ECHL, a joué aussi dans la AHL et quelques matchs dans la LNH également. Il a porté les couleurs des Rangers, des Sénateurs d'Ottawa, des Kings de Los Angeles et de l'Avalanche du Colorado.
Au total, il aura disputé 264 matchs dans la LNH. Il a signé 136 victoires, a subi 94 défaites et 21 autres en bris d'égalité. Il a signé 10 jeux blancs dans la LNH et il a maintenu une moyenne de 2,82 buts et un pourcentage d'efficacité de 914. Donc, quand même 264 matchs dans la LNH, c'est pas hyper spectaculaire, mais encore une fois, pour un choix de quatrième ronde, c'est pas si pire que ça. Il a rapporté deux honneurs. Ben, en fait, il a vu son numéro être retiré du côté de Kamloops dans la WHL et il a rapporté une médaille d'or avec le Canada au championnat du monde de hockey junior en 2021-2022. Mais dès qu'il a fait le saut chez les professionnels, là, il y a pas grand-chose à signaler en fait là, pour Dylan Garrett. Rang numéro 104, et c'est les Ducks d'Anaheim qui parlaient à ce rang-là. Ils ont choisi le défenseur autrichien Timo Nikol, qui a joué dans la LHJMQ avec les Voltigeurs de Drummondville. Par la suite, il s'est joint dans la SHL au niveau de la Suède. Il a joué également dans la SM Liga. En fait, il a pas mal fait le tour de toutes les ligues européennes. Il a joué également là, en République tchèque. Il a joué même dans la KHL par la suite, mais aucun match dans la LNH. Donc, si les Ducks avaient frappé dans le mille avec Ian Moore dans la troisième ronde, eh bien, cette fois-ci, là, ça a été raté là, pour Timo Nikol. Donc, la formation californienne là, qui ne peut pas tout le temps avoir raison. Et ça a été le cas là, avec Nikol, malheureusement. Au 105e rang, les Panthers de la Floride ont repêché le défenseur Zach Ewens. De son côté, Ewens là, a joué dans la NCAA. Il a ensuite fait la navette là, entre la AHL et la ECHL. Il a finalement goûté à la LNH à ses 25 ans avec les Panthers de la Floride. Il a également joué avec le Kraken de Seattle. Et c'est pas mal ça, là. Sinon pour le reste, là, il est revenu par la suite dans la AHL, ECHL, semi-pro et tout ça. Au final, il aura disputé 56 matchs dans la LNH, a marqué 2 buts et 9 passes pour un total de 11 points. Donc rien de vraiment de majeur à signaler et aucun honneur individuel ou collectif pour lui. Donc les Panthers ont vu un joueur qui était capable de jouer un peu dans la LNH, mais malheureusement pour Ewens, il n'a pas été en mesure là, de s'établir à temps plein. Au 106e rang, les Maple Leafs de Toronto ont repêché le gardien russe Artur Akhtiamov. De son côté, Akhtiamov a joué dans la KHL, a joué dans la VHL, a joué également dans la AHL avant de retourner dans la KHL et finalement, il va terminer sa carrière là-bas. Donc, aucun match dans la LNH pour le gardien russe. Les Leafs qui ont raté leur coup là, avec ce choix-là. Sinon, il a mis la main sur le meilleur gardien de but dans la KHL en 2035-2036. Il a également remporté 3 championnats. Il a remporté avec la formation de Oka Bars. Il a remporté dans la KHL ce championnat-là. Ensuite, avec le Bars Kazan dans la VHL en 2022-2023. Il a également remporté la Coupe Spengler avec le HK Sochi en 2029-2030. Donc, des honneurs en Europe, mais rien du tout en Amérique du Nord. Donc, bref, pas un gros choix là, pour les Leafs. Au 107e rang, les Red Wings de Détroit ont repêché le gardien tchèque Jan Bednar. De son côté, Bednar a joué avec le Titan de Katy Batters pendant 2 saisons avant de jouer dans la AHL, a joué dans la KHL aussi. Il a joué aussi avec le Canadien de Montréal dans la NHL et les Ducks d'Anaheim, les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh. Et ensuite, c'est pas mal ça pour les équipes de la LNH. Il aura disputé un total de 134 matchs dans le circuit Batman, a signé 65 victoires, a subi 51 défaites et 10 autres en bris d'égalité. A signé 5 jeux blancs, maintenu une moyenne de 3,08 et un pourcentage d'efficacité de 903. Sinon, au niveau des honneurs individuels et collectifs, celui-là, le recrue de l'année dans la Ligue tchèque, c'était déjà acquis. Ensuite, médaille d'or au Badger Hockey Games en 2027-2028. 2 médailles d'argent au Carlson Hockey Games en 2025-2026 et la Karjala Cup en 2027-2028. Et 2 médailles de bronze par la suite, j'imagine que c'est pas mal dans les mêmes compétitions, effectivement, là, dans le Carlson Hockey Games et le Badger Hockey Games. Donc, bref, pas de longue carrière au niveau dans la LNH, mais non, c'est ça, du côté des Red Wings, dont on n'aura pas trouvé leur gardien d'avenir avec Bednar. Au 108e rang, les Penguins de Pittsburgh ont repêché l'attaquant tchèque Lukas Zvejkovský. De son côté, Zvejkovský a joué dans la AHL, ECHL, AHL a joué un match avec les Penguins en 2022-2023. A joué un petit peu plus tard aussi avec les Penguins, 3 matchs. Et ensuite, il a joué 18 autres matchs avec Pittsburgh avant d'aller en Europe. Et c'est pas mal ça là, pour sa carrière dans la LNH. Donc, 22 matchs seulement, 5 buts, 6 passes, 11 points. Quand même pas si pire, un point ou deux matchs pour Zvejkovský. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à se tailler une place là, à temps plein dans le circuit Batman. Il a remporté 2 honneurs. En fait, il a remporté le titre de MVP
dans la Ligue tchèque en 2029, 2030 et 2030, 2030, 2031-2032. Mais malheureusement, en Amérique du Nord, il n'a rien à signaler pour Zvekovski. Au 109e rang, les Canadiens de Montréal ont repêché l'attaquant américain Blake Biondi. De son côté, Biondi a joué dans la NCAA. Ensuite, là, ça a été ECHL, semi-pro et c'est pas mal ça. Il a joué un petit peu dans la AHL par la suite. Mais c'est aucun match dans la LNH pour Biondi. Aucun honneur individuel ou collectif. Donc, pour une deuxième fois, en quatrième ronde, le Canadien qui s'est planté avec ce choix-là. Donc, malheureusement pour Biondi, ça va être un choix facilement oubliable. Au 110e rang, les Blackhawks de Chicago qui ont repêché le défenseur tchèque Michael Krutil. Krutil a joué dans la ECHL, dans la AHL, a joué en Europe avant de revenir dans la ECHL. Et par la suite, là, à partir de ses 26 ans, il est retourné en Europe et c'est là qu'il va terminer sa carrière. Donc, aucun match dans la LNH pour Krutil. Il a remporté cependant trois championnats. Il y en a un qui c'est dans la ECHL avec le Fuel de Indy et les deux autres, là, c'est avec la Ligue tchèque. Donc, bref, rien à signaler vraiment d'important pour Krutil, malheureusement, puisqu'il n'a aucun match dans la LNH pour le défenseur tchèque. Au 111e rang, les Coyotes de l'Arizona ont fait un choix assez controversé là, avec Mitchell Mahler, lui là, qui avait un historique là, qui n'était pas très très rose. Là. Je ne vais pas étayer tous les détails, là. Vous avez juste à faire une recherche Google et vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais de son côté, Mahler, si on regarde sa carrière hockey, eh bien, pas grand-chose en fait. Là. Il a joué semi-pro, CHL, un petit peu AHL aussi, mais il n'aura jamais goûté à la LNH pour lui. Il a gagné plutôt deux championnats, dont un avec le Fuel de Indy en 2025-2026 et un autre dans la FPHL avec les Rockers de Motor City. Donc, rien à signaler pour Miller. Un autre joueur là, dans cette ronde-là qui n'a pas goûté à la LNH. Au 112e rang, les Kings de Los Angeles ont repêché le gardien finlandais Juho Markkanen. De son côté, Markkanen a joué surtout en Finlande pour commencer. Il a joué un petit peu dans la AHL aussi. Il est ensuite retourné en Finlande et il a terminé sa carrière en Suisse. Donc, de 24 à 33 ans, il aura joué en Suisse. Donc, aucun match dans la LNH pour Markkanen, mais il a quand même plusieurs honneurs individuels et collectifs. Donc, on va regarder ça rapidement. Il a remporté le titre de gardien de l'année dans la Ligue suisse en 2025-2026. Il a également remporté le trophée Petri Vairis en 2020-2021. J'ai aucune idée c'est quoi ce trophée-là, mais il l'a remporté. Sinon, il a également remporté un championnat en Suisse avec le HC Lugano en 2029-2030. Il a mis la main sur trois médailles d'or aussi, une à la Carrera Cup, une à la Badger Hockey Games et l'autre à la Channel One Cup. Une médaille d'argent aussi au Badger Hockey Games, toujours avec la Finlande. Et il a également remporté une médaille de bronze à la Carrera Cup en 2026-2027. Donc, du côté international, quand même une carrière respectable, là, mais si on regarde au niveau de la LNH, eh bien c'est un gros zéro malheureusement pour Markkanen. Au 113e rang, les Canucks de Vancouver ont repêché l'attaquant américain Jackson Coombs. De son côté, Coombs a joué des matchs dans la ECHL et AHL, a joué dans la LNH avec les Canucks pendant quelques saisons aussi. Et il a ensuite porté des couleurs. En fait, la seule équipe qu'il a joué, c'est les Canucks dans la LNH. Il est allé ensuite au niveau semi-professionnel et senior. Donc, au total, il aura disputé 269 matchs dans le circuit Batman, 45 buts, 84 passes pour un total de 129 points. Donc, une carrière là, correcte, mais sans plus. Là, rien de hyper spectaculaire. Mais il a quand même joué 269 matchs dans le circuit Batman, ce qui est beaucoup plus que la majorité des joueurs là, repêchés dans cette ronde-là jusqu'à maintenant. Sinon, il a remporté un championnat et c'est avec les Canucks de Vancouver en 2025-2026. Donc, au moins une Coupe Stanley pour Jackson Coons. Mais sinon, au niveau là, des statistiques individuelles, eh bien, c'est pas hyper impressionnant, mais au moins, il aura remporté la Coupe Stanley. Au 114e rang, les Blue Jackets de Columbus ont repêché l'attaquant finlandais Michael Pettia. De son côté, Pettia a joué des matchs dans la AHL, dans la Liga. Et c'est pas mal ça. Il a joué en Finlande là, pour le reste de sa carrière. Donc, aucun match dans la LNH pour lui. Cependant, il a remporté deux championnats, dont un dans la AHL avec les Monsters de Cleveland et l'autre dans la Ligue finlandaise, dans la SM Liga, avec la formation de Helsinki. Mais sinon, un autre choix de quatrième ronde qui n'aura pas percé dans le circuit Batman. Au 115e rang, les Hurricanes de la Caroline ont repêché l'attaquant suédois Zion Nybeck. De son côté, Nybeck a joué des matchs dans la AHL pendant quelques saisons pour débuter sa carrière professionnelle en Amérique du Nord. Mais il a finalement goûté à la LNH à ses 22 ans avec les Hurricanes de la Caroline. Il a disputé, en fait, il a fait la navette pas mal entre les Canes et la AHL pendant quelques saisons.
Et ensuite, il a porté les couleurs des Ducks d'Anaheim pour une saison. Et il a terminé ensuite sa carrière en Europe. Donc, au total, 388 matchs dans la série Batman. Il a marqué 34 buts, en plus de récolter 163 passes pour un total de 97 points. Je m'attendais à des stats plus impressionnantes là, du côté de Nybeck, lui qui est reconnu justement pour être un joueur offensif. Mais il n'aura même pas récolté 100 points dans la LNH en près de 400 matchs. Sinon, il aura remporté un championnat avec la formation de HV 71 dans la SHL. Il a remporté également deux médailles d'or, dont une, en fait, la première était déjà acquise avant le début de la simulation, c'était dans les U18. Et l'autre, c'est au Carlson Hockey Games en 2030, 2031-2032. Ensuite, deux médailles d'argent au championnat du monde de hockey junior en 2020, 2021 et 2021-2022. Et une médaille de bronze toujours avec la Suède dans la Calder Cup. Donc, il a quand même disputé près de 400 matchs dans la LNH, ce qui est quand même bon là, pour un choix de quatrième ronde, là, surtout dans les derniers qu'on a regardés, là, c'était pas très très impressionnant. Lui au moins, il a disputé plusieurs matchs, mais malheureusement au niveau offensif, là, il n'a pas rempli mes attentes. Là, je pensais qu'elle allait être plus offensive que ça, mais au moins, il a goûté à la LNH. Au 116e rang, le Lightning de Tampa Bay ont repêché le défenseur Eamon Powell. De son côté, Powell a disputé des matchs dans la AHL, ECHL. Et il a ensuite fait la navette pas mal entre la ECHL et les ligues semi-professionnelles. Donc au total, aucun match dans la LNH pour lui, donc un choix raté là, pour le Lightning. Il a quand même mis la main sur un championnat dans la ECHL avec la formation de Norfolk en 2030-2031. Mais c'est pas mal son seul highlight là, de sa carrière, c'est ce championnat-là. Au 117e rang, les Capitals de Washington qui ont repêché l'attaquant russe Bogdan Triniev. De son côté, Triniev a joué plusieurs années en Europe, là, dans la KHL et dans la VHL, avant d'aller en Amérique du Nord, finalement à 24 ans. Il a joué 2 saisons dans le club école des Caps avant de jouer quelques saisons avec eux. Il a également porté les couleurs des Golden Knights de Vegas et également celles des Hurricanes de Caroline, des Maple Leafs de Toronto et celles du Canadien de Montréal. D'ailleurs, avec le CH, c'est sa dernière saison de sa carrière tout court. Il aura disputé 521 matchs dans la LNH, qui est très bon pour un choix de quatrième ronde. 53 buts, 116 passes pour un total de 169 points. Donc, pas énormément offensif, mais quand même 521 matchs, là, c'est très bon. Sinon, il a mis la main sur un championnat dans la KHL en 2032-2033. Il a également remporté une médaille d'or au Badger Hockey Games en 2031-2032. Une médaille d'argent aussi à la Calder Cup en 2031-2032. Et ensuite, à la Channel One Cup, 2 médailles de bronze 2031-2032. Donc, grosse année pour lui en 2031-2032. Et l'autre, c'était l'année suivante, là, en 2032-2033. Donc, un des meilleurs choix de quatrième ronde jusqu'à maintenant au niveau des matchs joués. Donc, au moins, les Caps qui auront vu juste avec Treniev. Au 118e rang, l'Avalanche Colorado qui ont repêché l'attaquant canadien Colby Ambrosio. Ambrosio aura joué des matchs dans la NCAA avant de. Ben, en fait, il a complété son stage dans la NCAA avant de jouer quelques saisons dans la AHL. Il a goûté à la LNH avec l'Avalanche du Colorado, mais il a fait la navette là, pas mal entre le club école et le club de la LNH. Et ensuite, là, il va s'exiler en Europe là, pour quelques saisons avant de terminer sa carrière au niveau semi-professionnel. Donc, au total, 188 matchs dans la LNH, 17 buts, 25 mentions d'aide, 42 points. Donc, il a goûté à la LNH, là, mais sinon, là, c'est pas hyper spectaculaire. Il a mis la main également sur un trophée, le Red Garrett Award dans la AHL en 2023-2024. Et c'est pas mal ça qu'on a à dire du côté de Ambrosio. Au moins, il a goûté à la LNH, mais ce sera pas une carrière là, qui aura marqué l'imaginaire des partisans. Au 119e rang, les Blues de Saint-Louis qui ont repêché l'attaquant américain Tanner Dickinson. De son côté, Dickinson a joué des matchs dans la AHL. Avec la formation du Wild du Minnesota, le club école en fait du Wild. Donc, il aurait été échangé là, en début de carrière. Il a joué quelques saisons avec le Wild, a fait la navette entre la AHL et la NHL. Il a également porté les couleurs des Blackhawks de Chicago avant de terminer sa carrière au niveau semi-professionnel. Donc, au total, 371 matchs dans la LNH, ce qui est pas si mal. 35 buts, 112 passes, 147 points au total. Il a mis la main sur 2 championnats, dont la Coupe Memorial avec la formation de Sault Ste. Marie en 2020-2021. Et en même temps, il aura remporté le championnat dans la OHL. Donc, sa carrière junior qui s'est très bien terminée. Il a joué près de 400 matchs dans le circuit Batman. Donc, pas un mauvais choix là, du côté des Blues, mais en même temps, c'est même pas eux qui en ont profité, c'est plus le Wild. Mais
ils avaient quand même vu le potentiel là, de Dickinson, un joueur qui était capable de jouer dans la LNH, mais malheureusement, c'est pas eux qui en auront profité à ce moment-là. Au 120e rang, les Devils du New Jersey qui ont repêché le défenseur Ayton Edwards. De son côté, Edwards a joué dans la AHL, ECHL, et c'est pas mal ça. Là. Il a fait la navette entre ces deux circuits-là. Il a terminé ensuite dans la SPHL. Donc, aucun match là, dans le circuit Batman pour Edwards. Et aucun honneur individuel ou collectif à signaler. Bref, pas un bon choix là, pour les Devils. Au 121e rang, les Islanders de New York ont repêché l'attaquant Alex Jeffries. De son côté, Jeffries a joué des matchs dans la AHL, ECHL. A joué un petit peu avec les Islanders aussi. Il a joué encore une fois là, 18 matchs avec la formation new-yorkaise, mais c'est pas mal tout par la suite. Il a fait la navette là, entre la ECHL, les ligues semi-professionnelles et la AHL. Donc au total, seulement 22 matchs dans la LNH, 4 passes, moins 9. Et pas d'honneur individuel ou collectif à signaler. Bref, Jeffries a goûté à la LNH. Les Islanders ont réussi à trouver un joueur qui pouvait jouer, du moins à court terme. Mais ce n'est pas un joueur qui a réussi là, à s'établir, malheureusement. Au 122e rang, les Maple Leafs de Toronto qui ont repêché le défenseur William Villeneuve. De son côté, Villeneuve a terminé sa carrière avec les Sea Dogs de Saint John avant de jouer dans la ECHL, la AHL. A goûté à la LNH avec les Maple Leafs de Toronto en faisant la navette là, entre la AHL et la NHL. Il a également porté les couleurs des Capitals de Washington le temps d'une saison avant de terminer ensuite sa carrière au niveau senior et semi-professionnel. Donc au total, 189 matchs dans la LNH, 19 buts, 68 passes pour un total de 87 points. Donc pas une longue carrière dans la LNH malheureusement et aucun honneur individuel ou collectif à signaler. Donc ça n'a pas été un mauvais choix pour les Leafs, mais ça n'a pas été un vol non plus. Au 123e rang, les Stars de Dallas qui ont repêché l'attaquant américain Antonio Strangers. Strangers a joué dans la ECHL, dans la AHL, a joué aussi avec les Stars de Dallas un petit peu. Il a porté les couleurs du Wild du Minnesota également. Et c'est pas mal ça par la suite. Il aura terminé sa carrière au niveau senior là, entre ses 28 et ses 38 ans. Il aura disputé 122 matchs dans la LNH, 8 buts, 15 passes pour un total de 23 points. Une médaille de bronze qu'il a récoltée au championnat du monde d'hockey junior en 2021-2022. Et c'est pas mal tout, malheureusement. Il n'y a rien à signaler pour Strangers. Donc, un choix correct là, pour les Stars, puisqu'il a joué une centaine de matchs dans le circuit Batman. Pour un choix de quatrième ronde, c'est quand même correct. Mais, encore une fois, on ne parle pas de vol là, dans son cas. Pour terminer la quatrième ronde, le Canadien de Montréal qui repêchait un troisième attaquant américain, soit Sean Farrell cette fois-ci. Farrell, lui, qui avait brûlé là, la USHL cette année dans la vraie vie. Donc là, plusieurs partisans du Canadien s'excitaient à voir Farrell, qu'est-ce qu'il pourrait faire là, par la suite au niveau professionnel. Voyons voir ce qu'il a fait. Il a joué dans la ECHL, il a joué semi-professionnel et AHL, donc rien vraiment de concluant dans son cas. Aucun match dans la LNH pour notre ami Farrell. Il a remporté cependant deux championnats et les deux, c'est dans la SPHL avec la formation de Peoria. Donc malheureusement, malgré son hype qui a été créé dans la USHL, ça s'est éteint assez rapidement pour Farrell. Aucun match dans la LNH et encore une fois, le Canadien là, qui n'a pas vu juste avec leur sélection américaine. Donc, si on fait un petit résumé de ce qui s'est produit en quatrième ronde afin de voir là, quels choix ont été payants et les autres moins, on va commencer avec le nombre de matchs de joués dans la LNH. Eh bien, le grand gagnant, c'est bien évidemment les Panthers de la Floride avec leur choix au 95e rang, Michael Benning, 757 matchs dans la LNH. Ensuite, il faut aller au 117e rang pour voir le deuxième joueur qui aura joué le plus de matchs dans cette ronde-là, et c'est Bogdan Treniev du côté des Caps. C'est les deux seuls joueurs là, qui auront disputé plus de 500 matchs dans le circuit Batman, repêchant en quatrième ronde. Savoie est passé bien près avec 497. Ensuite, Nebeck 388, Dickinson 371, Wisdom 365 et Coons 269. Sinon, à l'inverse, si on regarde le nombre de joueurs qui n'ont pas joué dans la LNH, si on les compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 joueurs, en fait, qui n'ont pas joué dans la LNH. Donc, c'est près de 50% des joueurs repêchés en quatrième ronde qui n'ont pas réussi à goûter à la LNH. C'est quand même assez élevé, mais c'est un peu normal aussi en quatrième ronde. Le taux de réussite est de moins en moins élevé. Ça peut être aussi pire là, en cinquième, sixième et septième ronde. Mais ça, on verra ça lorsque les vidéos seront sorties dans les prochaines semaines. Sinon, si on regarde au niveau des statistiques, au niveau offensive, eh bien, ça sera possiblement la même chose, là.
Il y a Savoie qui a monté d'un rang vu qu'il y avait plus de points qu'à Trémiève. Donc, c'est ici au deuxième rang, mais sinon, Benny qui demeure confortablement au premier rang avec 398. Et c'est un défenseur aussi. Donc, probablement que ça va être un des meilleurs défenseurs offensifs de la QV aussi. Sinon, comme j'ai dit, Savoie avec 100, 284, Trémiève 169, Dickinson 147, Coons 129 qui a monté de quelques rangs lui aussi, Wisdom 118 et Niebeck 97. Donc, c'est pas mal ce qui complète le résumé et aussi la simulation de la quatrième ronde du repêchage de 2020. Un gros merci d'avoir suivi cette vidéo-là et on va se retrouver la semaine prochaine avec la cinquième ronde.